je pense comme ça. Si, si, complètement. J'ai envie qu'on se fasse une petite pause. Ah bon? Oui, on va se faire une petite pause musicale. Ah oui. Parce que tu parlais de bienveillance là tout de suite. Et ben, on va s'écouter un petit morceau. Alors, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, mais il est chaleureux et moi je l'aime beaucoup. Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se font, maintenant son espoir serait être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. M'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome, connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Thank you.
Merci d'écouter Silver Radio. Nous sommes au passage des artistes accompagnés d'Enzo Enzo. Ravie de t'accueillir une fois de plus. Alors, autrice, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant. Oui, autrice, auteur avec un E. Compositrice également et bassiste. Si tu avais dû choisir, tu aurais choisi quoi ? Interprète, ce que je suis essentiellement aujourd'hui. Il m'arrive d'écrire des textes, mais avec toujours, c'est fait dans la douleur et c'est pas très agréable. Il m'est arrivé de composer des musiques. À l'époque, surtout, j'étais bassiste. Mais c'était il y a assez longtemps. Aujourd'hui, je m'en remets. Pour Lily Pop ? Lily Drop. Pardon. Même pas, juste après. Et c'était quand même à cette époque-là. Donc, ça remonte à loin. Et j'ai eu l'occasion de découvrir tellement de magnifiques personnes dont c'était vraiment le don premier de composer ou d'écrire que je m'attelle à cet exercice de moins en moins souvent. Et j'ai un copain compositeur qui m'a dit « Ne mets dans ton travail aucune douleur et aucune attente ». Et à chaque fois que j'ai du mal à m'y mettre pour écrire un texte, cette phrase me vient et je me dis « Non, pas aujourd'hui ». Et je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire. Il y a d'autres auteurs, écrivains de romans ou de chansons qui disent que non, tous les matins, c'est une gymnastique et il faut vraiment s'entraîner. C'est comme un muscle. Il va se fortifier et grossir au fur et à mesure où on le travaille. Bon, j'ai jamais fait complètement la paix avec ça. Donc, pour revenir à ta question, je me sens plus une dénicheuse de chansons et une interprète aujourd'hui. C'est demande de suffisamment de recherche, suffisamment de fulgurance, de conviction pour choisir son répertoire. Je suis tellement contente de faire découvrir des auteurs et des compositeurs ou des arrangeurs qui ont une grâce absolue et qui, eux, leur mission, je dirais, leur raison d'être et le meilleur d'eux se réalise dans cet exercice-là qui est vraiment leur spécialité. Moi, ma spécialité, c'est plus de chanter et de raconter l'histoire et de faire passer ces histoires. Enzo, quand on parcourt cet album au calme, il y a des pépites. Je laisse nos auditeurs. D'ailleurs, on va passer certainement un certain nombre de tes chansons sur Silver Radio. Moi, ce que j'aimerais savoir, si tu devais en choisir une, quelle est celle que tu as pas préférée, mais celle qui te touche le plus ? Ma chérie entre toutes, elles ont chacune des raisons d'être là. Mm-hmm. Je suis particulièrement touchée par... Alors, Accostez-moi, c'est parce que elle est très dépouillée, très accessible. Et la première fois que je l'ai enregistrée, je me suis sentie toute petite. Toute petite et toute vraie, ça m'a plu. Même si c'était pas moi qui incarnais, moi j'ai le bonheur d'être très bien accompagnée dans la vie. Donc je sais pas pourquoi je me suis projetée peut-être dans la solitude de gens que j'avais envie de rassurer et parler à leur place. Donc oui, il y a quelque chose de très sincère pour moi et très touchant dans cette chanson, même si je ne parle pas directement de moi. Mais il y a aussi une chanson qui s'appelle « Le banquet des abysses que j'ai connue chantée par le compositeur de la chanson, qui s'appelle Romain Didier, dans une version beaucoup plus héroïque, avec beaucoup, beaucoup d'instrumentistes, des cordes, des percussions arabes. Et à chaque fois qu'il chantait cette chanson, j'étais en larmes, pas parce que la chanson était triste, au contraire, c'est une chanson très, 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 très belle qui se passe de tout ce qu'il y a au fond de la Méditerranée, toute son histoire, son passé, les histoires de sirènes et de grands capitaines, tous ces noyés, mais c'est dit avec une telle force. Je suis stupéfaite, je suis clouée devant l'écriture de ce feu Alain Leprest. Quand j'écoutais cette chanson, j'étais désarmée devant ce que ça pouvait être vraiment. Quelqu'un qui connaît la brûlure de l'écriture, quelqu'un qui écrivait d'une manière hémorragique. J'avais envie de porter cette chanson, évidemment. Dans mon contexte, je la chante pas avec emphase, mais quand je la chante, je te jure, je suis une sirène, je suis un crabe, je suis un grand guerrier au fond de la mer, un pirate, un pirate, tout ce que tu veux, mais je suis un grand voyage, quoi.
Voilà, j'adore aussi l'univers de il y a des jours avec, des jours sans, oui. Parce que c'est tellement facile à penser, c'est tellement facile à dire, c'est facile, la mélodie est pas héroïque, le texte est pas héroïque non plus, mais ça me vient tout seul, ça m'arrive de la chanter toute seule. Oui, je peux pas te dire, j'aime tous mes petits là, vraiment. Un retour sur scène, ce serait pour quand? Est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as d'abord des projets de retourner sur scène et puis nous présenter ce magnifique projet, projet qui n'est plus un projet d'ailleurs, ce magnifique album? Je veux jouer ce soir, demain, dans une heure, tout de suite après l'émission. Ouais. C'est ce que j'aime faire et c'est ce qu'on est prêt à faire. La scène te manque? Elle me manque, bien sûr, elle me manque. Et ça me manque de ne pas faire la chose pour laquelle je me sens le plus utile au monde. Mes enfants sont élevés, je ne sers plus à grand-chose. Donc, aller chanter, ça donne une raison de sentir que je peux servir à quelque chose. Je peux servir quelque chose aussi, quelqu'un. Donc oui, j'ai envie d'aller sur scène. Il se trouve que je suis archi prête, je suis armée jusqu'aux dents pour aller sur scène parce que... Il faut quoi justement? Parce que tu parles d'armure. Il faut quoi pour aller sur scène? Avoir confiance. Ouais. C'est important d'avoir confiance en soi. En le répertoire qu'on défend. Mmh. En soi, je sais pas, au début, j'avais pas confiance en moi et pourtant je l'ai fait. Donc la confiance est venue. Ouais. Et le plaisir est venu. Ces deux éléments-là qui sont essentiels sont venus au fil de la vie, au fil des scènes. Par contre, il faut fréquenter ces peurs. Mmh. Je les ai fréquentées et aujourd'hui, elles se sont transformées en plaisir. Alors, je ne te dis pas que je suis archi sûre d'être à la hauteur de l'exercice à chaque fois que je dois monter sur un plateau. Ça m'intimide encore. Par contre, j'ai de la joie à le faire, j'ai de la joie à retrouver les musiciens. J'ai de la joie à retrouver le public. J'aime ce moment. C'est une porte ouverte hein, pour un artiste de dire que c'est un moment crucial et essentiel de sa vie. Parce que c'est l'instant, pourquoi on dit l'instant T d'ailleurs, c'est complètement con, l'instant I, voilà, c'est ce lieu-là, ces gens-là, l'état dans lequel ils sont, l'état dans lequel nous sommes à partager sur le plateau, l'émotion, et ouvrir grand notre réceptivité, grand nos cœurs, grand notre... Pas douter de notre savoir, être vraiment ultra sincère et ultra courageux. Et tout ça crée une communion, une espèce de vibration géante qui est magique et qui est addictive. Donc on est prêt, on a répété, on a fait la création dans un théâtre. Et dès que ça sera possible, eh bien, on pourra aller se régaler et j'espère régaler les oreilles qui ont envie d'entendre de la chanson. Et également le public qui certainement attend avec impatience l'ouverture des salles de spectacle et des théâtres. J'ai lu quelque part, et j'aimerais que tu nous le confirmes, ou pas d'ailleurs, ton désir de chanter vient de ton papa qui aimait beaucoup chanter, qui était assez joyeux, et tu as baigné dans cette énergie. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je ne sais pas si mon envie de chanter vient de mon père. Est-ce que je me réalise? Est-ce qu'il se réalise à travers le fait que moi, ça soit devenu mon activité principale et mon métier? Mais oui. C'est une journaliste qui m'avait fait me rendre compte de cela. Elle avait écrit « À la maison, on chantait, et partout où on chante, ça sera la maison. » Et j'avais lu ça dans l'article, et je m'étais dit « Mais comme elle a raison, comme ça dit bien finalement, pourquoi bien que j'ai commencé en étant timide et inquiète, finalement, il y a quelque chose de suffisamment familier pour que j'arrive à le faire, pour que j'arrive à le faire et à embrasser cette vie et ce métier. Donc oui, papa chantait, il était joyeux, il chantait en faisant la vaisselle, il chantait en faisant le repassage, il chantait en faisant la cuisine parce qu'il faisait beaucoup de tâches ménagères à la maison parce que grâce à son travail, il rentrait tôt. C'était un homme moderne avant l'heure. C'était un homme qui participait tout à fait à la vie de la maison. Et oui, il y a quelque chose de naturel pour moi dans le fait de chanter à la maison tout le temps. Et peu importe si c'est intelligent ou si c'est bête, c'était simplement l'expression du quotidien. Si tu n'avais pas été chanteuse, t'aurais été quoi aujourd'hui? Est-ce que tu as le recul qu'il faut
pour savoir ou... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recul à avoir, c'est impossible de, que je sache ce que j'aurais voulu faire. Ouais. Je n'aime pas envier telle ou telle situation. J'aurais aimé être très très intelligente pour pouvoir éclairer la route. J'aurais aimé être très très sage pour pouvoir éclairer la route. Je suppose que tu fais référence à la chanson « Qui je voudrais être, j'en sais rien ». J'ai parlé avec l'auteur Raymond Gary en lui demandant... qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, quand j'ai connu cette chanson, elle était enregistrée par une jeune femme qui avait 20 ans. Et quand une femme toute jeune, qui est face à la vie, se met à chanter « Qui je voudrais être », j'en sais rien, ça a une autre portée. Parce qu'il y a à se dire « Mais dans quoi je me projette ?» Et on peut se dire « Oui, on peut s'interroger. » Et Raymond me confiait qu'à l'époque où il avait écrit cette chanson, il travaillait auprès d'adolescents, qui n'avaient pas tout à fait leur drame dans l'eau, qui connaissaient vraiment des difficultés d'insertion. Et l'idée de ce thème, c'était de dire... bon, les mots me disaient, mais je n'ai pas choisi d'être là. Et le thème de la chanson, c'était, oui, mais tu n'as pas choisi d'être là, mais aujourd'hui, tu es bien obligé de décider que tu veux être là. Tu vois? Donc, décide-le. Et en ce sens, cette chanson, elle veut dire ça. Alors après... Pour une femme de 60 ans, ou pour toutes les personnes que nous sommes, peu importe notre âge, le fait de se repositionner en se disant « qui je voudrais être ?» J'en sais rien, ça peut être... Il y a beaucoup de possibles. Moi, je voudrais être la pâtissière parce qu'elle a sa passion, elle voit ce qu'elle fait. Elle fait un gâteau, ok, il y a une recette, elle le fait, elle le vend, il est vendu, et le lendemain ça recommence. Bon, s'il y a quelque chose d'apaisant. Est-ce que je voudrais être pâtissière? Oui, pourquoi pas. Est-ce que je voudrais être une infirmière avec vraiment cette vocation? Oui, c'est bon d'avoir une vocation. Est-ce que j'ai envie d'être un auteur de romans parce qu'il va faire voyager des tas de gens? Oui, j'aimerais bien. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir la solitude de l'auteur, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir le train-train de la pâtissière, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir la désespérance de l'infirmière qui a une vie infernale dans sa vie de tous les jours et qui n'est pas reconnue, qui gagne 3 francs 6 sous, qui accueille tous les jours la misère du monde et l'inquiétude des gens, et en même temps qui reçoit cet amour et cette demande et ce qui se sent utile. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Voilà, toute cette chanson, ce qu'elle porte, cette chanson qui s'appelle « Ballet de crin ». Et je demandais à Raymond, mais Raymond, c'est tellement rébarbatif ce titre, « Ballet de crin », mon Dieu, t'aurais pu l'appeler « Qui je voudrais être » ou « 60 fois l'enfance ». Et il me disait « Non, je trouve ça bien, ballet de crin », parce que ça évoque le ballet, comme on dit, j'ai 20 ballets, j'ai 30 ballets, là. Et puis de crin, ben c'est un ballet de crin, en plus on sait ce que c'est pour balayer devant sa porte, hein, c'est pour faire le ménage. Le ménage. Et puis c'est un objet vraiment basique, quoi. Et il me disait, ben non, justement, cette notion de ballet de crin, c'est quelque chose de tellement terrestre, de tellement quotidien, que ça ramène un peu à du concret ces réflexions sur la vie et qu'est-ce que je pourrais faire et qui je devrais être, qui je pourrais être, qui j'aurais pu être, on s'en fout. Sois déjà ce que tu es et vas-y, quoi. Merci Enzo pour cette jolie fin, j'ai envie de te dire, parce qu'on termine en beauté. J'ai envie de te laisser le choix du prochain titre qu'on va offrir à nos auditeurs sur Silver Radio. Qu'en penses-tu? Si tu devais leur offrir un présent, un extrait de ton album Au Calme, justement, pour être au calme, lequel tu choisirais pour finir l'émission? Je choisirais Des jours avec. Et Des jours sans. Oui. Merci Enzo. Merci beaucoup. Merci pour cette jolie balade bien, bien tendre et bien reposante. Merci à toi. Il y a des jours de pluie, il y a des jours de manque, des jours où on fuit et des jours où on se plaint. Il y a des jours pétanques, il y a des jours billards, des jours où on banque et des jours où tout repart. Il y a des jours de paix, en bien ou en mal,
ce jour qui essaye d'être un brin normal. Il y a des jours qui chantent, d'autres qui fredonnent, des nuits ruisselantes et des matins à fond. Il y a des jours avec, des jours sans, et les jours sans, il faut faire avec. Il y a des jours avec, des jours sans, et les jours sans, il faut faire avec. Il y a des jours paniques, oui, des jours comme ça. On crache une réplique et on s'en mord les doigts. Il y a des jours hauts de vie, il y a des jours hauts de rose, des jours où j'expie et des jours où j'implose. Il y a des jours limpides où tout se déploie, l'humeur intrépide, l'azur et la soie. Il y a des jours de chance où tout s'épanouit. La vie nous devance et puis nous, on la suit. Il y a des jours avec, des jours sans, et les jours sans, il faut faire avec. Il y a des jours avec, des jours sans, et les jours sans, il faut faire avec. Il y a des jours avec, des jours sans, et les jours sans, il faut faire avec.